J'espère que vous allez bien en ce début janvier. Si ceci n'était déjà pas fait, on vous souhaite une meilleure année 2021 et bonne année à tout le monde. Je crois qu'on l'a déjà fait, mais bon, je préfère le refaire, hein. Comme on dit, il vaut mieux deux fois qu'une. Et donc nous sommes à Paris, on est allé à Primark pour ce premier haul. Et du coup, nous avons, dans un premier lieu, trouvé quelques articles Harry Potter. C'était la boutique Harry Potter de... Non, la boutique... Qu'est-ce que je raconte? Boutique Harry Potter. C'était Primark de Créteil. Et je vous assure que c'est la caverne Ali Baba là-dedans. Anna. Ouais. On a galéré hein, pour trouver des articles. Tu veux dire un petit mot, Anna, peut-être Alors avant la vidéo où Choupi présente la vidéo, il y aura un petit aperçu de Primark Créteil que j'ai filmé du coup. Donc vous allez voir, le sens de la vidéo n'est pas comme d'habitude parce qu'en fait j'ai filmé dans ce sens-là. Donc du coup, voilà. Ok. Et c'était très compliqué de trouver des articles Harry Potter. Il y en avait quand même quelques-uns. On dit bon, si, il n'y avait pas grand-chose. On a fait quand même une heure de quart hein, Ouais, pour une heure traverser tout vingt, une heure dix. Champigny, Villiers, 1h10, et Villiers, après arriver Chennevières, Sucy-en-Brie et Créteil. jusqu'à Créteil. Donc, faudra le nombre d'arrêts qu'il y a, c'est un truc de fou. C'est comme si en fait tu allais de Saint-Malo à Dinan, que tu prends le petit bus, tu mets une heure, ça revient exactement au même. Enfin bon, c'est même plus long encore. Enfin bref, malgré que ce soit la caverne d'Ali Baba, on a quand même trouvé des choses plutôt intéressantes. Hein. À chaque fois que je vais là-bas, je me dis non, j'ai suffisamment de mugs, mais non, j'ai encore craqué. Hein. Malheureusement, ou heureusement, j'ai encore craqué. Hein. Faire attention au budget, bien sûr. Le tout, moi j'en ai eu de mon côté pour 25,50 € en tout. Donc j'ai eu ce petit mug de Poufsouffle à 3,50 €. Je l'ai inauguré hier avec un petit café hein, pour le coup. Hein, donc. Normalement c'est pour le thé, mais un petit café aussi, hein, vous pouvez. Donc voilà, il est très simple, mais j'aime bien quand même le design. Ce qui est simple est tout aussi bien. Alors la suite, du coup, alors j'ai pris évidemment ce qu'on a trouvé. Alors là c'est le dernier moment, on a eu ça pour 4 €. C'est la petite pochette serre-d'aigle. Oh bop, ma langue a fourché. Pardon, plus avec le serpent, avec la petite pochette et la petite trousse serre-d'aigle qui va avec. Voilà, je trouve ça très très joli. On l'a eu à 4 €. J'ai payé 4 €. Ça se vend au studio Harry Potter à Londres. Mais je crois que ça vaut beaucoup plus cher. Il me semble que ça, la vraie valeur, je crois que c'est autour des 15-20 €. Enfin, en tout cas, par contre, les articles à Primark sont vraiment pas chers du tout, quoi. Ça, c'est très cool. Par contre, c'est très agréable. Tu vas dans une boutique Harry Potter et tout ce qu'on a eu, là j'en aurais bien eu pour 80 €, ouais. Parce que les articles, bah évidemment, il faut que les commerçants aussi puissent se faire leur part de marché, vous comprenez bien. Mais en tout cas, c'est une belle affaire, bah c'est pour ma mamounette, quoi, hein, pour Molly. Hein, c'est sa maison, donc on sait que ça va lui plaire. Sophie, peut-être tu pensais que c'était pour toi, mais bon, faut pas déconner quand même avec le swap. T'as quand même eu ce que tu souhaitais, et puis bon, vu que t'as pas pensé à moi, bon. Voilà, je me suis dit, ce sera pour moi. Je suis un salaud, ouais. Non, je déconne, c'était juste prévu pour ma mère. En plus, on l'a trouvé au dernier moment, c'est Anna hein, qui l'a trouvé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, on a eu, alors ça, c'est toujours bien. Hein. Ça, c'est de l'achat toujours pratique. Plein de petites chaussettes Harry Potter. Donc, je vous en montre une de chaque collection. Ça, ce sont des sockets. Hein. Donc, on a les sockets de Gryffondor. Hein. Je pense que c'est des nouvelles collections. On a les sockets de Poufsouffle. Hein. On a aussi celle. On voit pas la tête de Poufsouffle, c'est con. Celle aussi de. Évidemment. De Serre-d'Aigle. Hein. Et bien sûr, celle de Serpentard. Avec le serpent. Elles sont très mignonnes. Très sympa. Et on a la petite marque aussi, Harry Potter, derrière. Hein, où il y a marqué. C'est marqué quoi? On est en Ron rose. Ambrose, ouais, bon. Et par contre, j'ai pas très bien montré celle de Poufsouffle, voilà. La meilleure des maisons, bien sûr. Hein, les plus dévoués dans leur mission. Hein, voilà. Les plus courageux, évidemment. Les plus gourmets aussi. Enfin bref. Et ensuite, du coup, on a eu l'autre. Bah, celle-là, c'est la même. Donc, on a acheté deux. Hein.
On a acheté une pour Molly Voilà. aussi. Voilà, une pour Molly. Et on a acheté aussi cette petite collection de mugs, de sockets Harry Potter, ouais, des Non, mugs, ouais, chaussettes. à 4,50 € aussi, 4,50 € le prix. Voilà. Voilà les petites sockets. Chaussettes. Chaussettes, je crois que c'est des sockets. Ouais, l'autre c'est des sockets, là c'est des chaussettes. Et je vous montre de plus près du coup dans le dos des. Hop. Le dos de la. Voilà, j'espère que vous voyez bien du coup. Elles sont très mignonnes. On a une de Hagrid, une avec Harry qui. Non, mais c'est vrai, il les a vus. Ouais. Ah ouais, Harry et les éclairs et Harry sur son balai. Là, c'est Harry sur son balai pour le coup. Donc elles sont très mignonnes. On en a pris une paire aussi pour Molly. Ouais, et évidemment aussi bah, une paire pour Molly, quoi. Tout à fait logique. Très bien. Ok, d'accord. Bon, et ensuite, ben, parce qu'on a. Il n'y a pas que du Harry Potter pour le coup. Alors là, c'est l'achat improbable, hein, on s'y attendait pas trop. On adore la série Riverdale. Pour ceux qui connaissent, évidemment, et qui ont Netflix, c'est. J'adore, hein, c'est génial. Alors moi, j'ai copié sur Anna, du coup, hein, j'ai pris le t-shirt. Alors là, vraiment, je suis très content de Jughead, mon personnage préféré. Ça, je crois que c'est du ouais, Elle. c'est du L. Ouais, c'est bon. Ça me va. Ça peut paraître court, hein, mais ça va quand même. C'est du L. Mais voilà, Jughead Jones. Donc, c'est un petit L quand même, non? Non, 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 c'est Faudra que je bien. l'essaye quand même, mais parce que j'ai un doute là pour le coup. Mais voilà, donc j'adore ce personnage, hein, le narrateur du coup de l'histoire. Donc voilà, un blouson noir comme j'aime bien quoi. J'aime bien le style de ce personnage, on va dire. Ensuite, bah évidemment, comme le manteau de Riverdale, le manteau des comment, des Southside Serpents, je les ai. Bah, j'ai aussi le t-shirt. Alors lui, par contre, je suis sûr qu'il est à ma taille. Lui, c'est du L, ça ne fait aucun doute. Donc, bah, au pire, de toute façon, j'aurai celui-là. Donc, il est magnifique et on voit le serpent. Hein. Ne me traitez pas de serpentard en commentaire, s'il vous plaît. Ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est un rapport avec une autre série. Donc, je vous en prie, si vous m'insultez de serpentard. Attention à vos fesses. Non, je rigole. Et du coup, pour terminer, moi, mon petit haul, ben, j'ai craqué pour ce t-shirt-là. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris des t-shirts de groupe de musique. Et ben, là, moi, comme j'adore l'univers de Freddie Mercury, évidemment, Queen, enfin, Bohemian Rhapsody, vous savez, les classiques, quoi. Hein. Ben, voilà, hein, donc évidemment, j'ai pris le symbole du groupe Queen. Donc pour moi c'était impossible de ne pas le prendre, je trouve qu'il est magnifique, hein. Ça représente bien le groupe, hein. Un peu foufou, mais aussi qui représente vraiment tout l'univers de ce groupe qui s'est intéressé vraiment à différentes, différents, comment dire ça? Différentes cultures musicales, je dirais. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous laisser avec la Don't Stop Me Now de Queen. Non, je déconne quand même pas. En tout cas, on vous dit à très bientôt et à la Non. prochaine. On espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec Anna pour la suite de ce haul. Bisous les sorciers! Coucou les sorciers! Alors, c'est moi, voilà, qui va vous présenter mon petit haul de Primark. Alors, voilà, là, vous avez ça quand on est à Primark. Hein. Primark, en général, à Paris, pour moi, c'est tout le temps. Donc là, j'ai été très, 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 très sage. Parce que la dernière fois que j'étais à Primark, quand j'étais chez ma soeur, j'ai dépensé à peu près 130 euros. Que là-bas, j'ai dépensé que 60 euros, même pas. 55 pour être exact. Donc, je me trouve très raisonnable en fait. Voilà. Bon, les prix de Primark sont raisonnables aussi, hein. Ouais, mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai fait une razzia. Vous avez vu? Elle a des chaussettes noires. Elle est raciste. Ah. Alors, on va commencer par ceci. Alors, ce sac-là, c'est un sac de Poudlard. Voilà. Ah. C'est ma tante qui me l'a donné en fait parce qu'elle l'avait et puis qu'elle l'utilise plus. Alors du coup, moi j'étais contente. Et elle m'a donné, elle m'a dit, tiens, voilà, j'ai quelque chose à donner. Ouais, Voilà. ça c'est un très très beau Donc cadeau, hein, l'étiquette est vraiment. comme ça. Là, il y a Ouais. une pochette. J'avais les deux pochettes de devant aussi. Ici. Et puis bah, ça se referme avec. C'est ouais. J'adore. C'est un super beau cadeau, Faut hein. juste que je leur coupe. Sais plus si. Non, si c'est là, je crois que je leur coupe, je sais plus. Un petit peu, mais Bref. bon. En attendant, c'est très très chouette.
le recoudrai de toute façon quand je serai à Saint-Malo parce que là, il n'y a pas ce qu'il faut. On le recoud. Ici, voilà. C'est là où il faut que je le recoude. À la Duterrier. Là, c'est caché un petit peu ici. Ouais. Voilà. Hein, donc, je recoudrai. Ensuite, alors, ça, c'est moi qui l'ai acheté. C'est un autre sac. Alors, celui-là, je l'avais vu sur Vinted à la base. Donc, ce sac-là, il m'a vachement plu sur Vinted. Et puis, je me suis dit, bah, il coûtait 25 voire 30 euros. Je trouvais ça trop cher. Du coup, je me suis dit, bah, je vais attendre. Comme je vais aller à Primark à Paris, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre Paris. Et puis, bah, je l'achèterai à Primark, quoi, parce qu'il est moins cher. Là, j'en ai même pour 16 euros. Donc, c'est quand même 10 euros moins cher, quoi. Donc, il est comme ça. Là, vous allez à Baguette d'Harry, ici, là. Et puis là, vous avez Hogwarts. Et là, c'est à l'effigie de la carte du maraudeur, tout ça. Ouais. Alors, on voit bien les petits pas. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo d'Anima Veritas. Et là, on a Hogwarts. Allez voir son petit bullet. Et super, ouais, et vous verrez, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais elle a représenté la carte du maraudeur avec les petits pas, donc c'est voilà, hein, pour juste une petite parenthèse. Résumer, s'il te plaît. Alors du coup, bah moi j'ai acheté les mêmes choquettes que Choupi parce que j'en voulais aussi, forcément les choquettes et moi ça fait deux. Les après, j'aime pas trop ça parce que bah ça part dans les bottes quand je mets des bottes genre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, à chaque fois, la choquette, elle se barre à l'autre bout de la terre. Du coup, c'est un peu chiant. La choquette. Alors, du coup, bah, il vous les a présentées, donc je vais pas vous les représenter. Je les ai payées 4,50€, hein, les choquettes. Voilà. Les choquettes. Hein. Non, c'est des choquettes. Après, je recoudrai les choquettes. On a Sophie et son anglais, et on a Anna, et puis ensuite, l'invention des mots. Ensuite, je me suis aussi acheté des chaussettes Harry Potter. Ouais. Voilà. Bon, tu peux les montrer, pareil, je vais pas vous les montrer. À 4,50€. Je cherchais le prix parce qu'en fait, c'était plié. Voilà. Les chaussettes. Ensuite, alors ça, c'est The Must Have. Bon, il a l'air un peu chaud quand même. Bon, moi, pour l'hiver, c'est super. Ah, pantalon de pyjama Harry Potter. Avec. Attends. Ici, le blason de Poudlard. Ça, on reconnaît que c'est un pyjama Harry Potter, sinon c'est un pyjama lambda. Ouais, très joli, hein. Voilà. Aux couleurs de ma maison préférée, c'est-à-dire Griffy. Donc celui-là, je l'ai payé 12 euros. On nous dit que tu vas être ficelé comme un rôti là-dedans. Ouais, non, je rigole. Pour aller avec ça, j'ai acheté le haut de pyjama pareil avec le petit blason et puis la marque au-dessus qui appartient avec celui du Gryffondor, quoi. Voilà. Avec ça, si j'ai froid, je comprendrai pas pourquoi. Je vais avoir un mec archi chaud là-dedans. En plus, je crois qu'il est plus grand que moi, le machin. C'est pas grave. Bon, moi, j'ai un pyjama. En plus, il est tout doux. C'est tout ce qu'il y a ? Ouais. Ensuite. Bah, Riverdale, comme Choupi vous a dit. Bah, moi, je me suis pris mon petit t-shirt aussi de Jughead Jones, mon personnage préféré de Riverdale. Ouais. Mais it's the must have, j'adore ce personnage-là. Oh. Elle a triché sur moi. Udo. Tu l'as dit toi-même dans Udo, c'est toi qui as voulu le même que moi. Ouais, mais t'as triché. Voilà. Non, mais sur le personnage, t'as triché. Non, j'aime bien. Bah, c'est moi qui l'ai mis avant toi. Du coup, ça fait comme ça, voilà. Ouais, triche. C'est mon personnage. Voilà. Va supporter Archie. Non, je préfère Jughead. Bref, en soi, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude. Et à venir vous abonner à notre chaîne. Si cela n'est pas fait, vous pouvez activer la cloche de notification. 1, 2, 3, 4 de notification. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut les sorciers. Et notre devise ? Weasley, are Frankie, hey. Get, save, God save, God save the Queen, the Molly Queen. Elle est pas là, non c'est pas grave. Allez, à très bientôt les sorciers. Salut. Bon bisous.